This one a special message to many of us when they Naija. When they see people when they abroad say na heaven the day. My guy, let me shocktalize you. There is no heaven. If I say you may even day Naija self. The way they day for that abroad, you may day Naija, you better pass them. I see this video, I was tantalized. I was kunkumalized. I was fintilized. Tell you the talk, say fintilized. But you know what I had to talk. I was lies. Pull the picture. God. If you see where people they sleep for Europe, my guy, you go get mad. If you even get mad for that Nigeria, even to call your brother for abroad, say, send me money. Now you say you're mad when you get. You feel keep person. Because this Europe of 81 and the CC, it be like bread and honey. It be like bread and stone without no water. You go eat it like that. God. If you see where people they sleep for France, this one are France, oh. France for that matter. Paris, the upstart, that is the capital city of France. Paris. If you see where. People not get house. If you see where people they sleep, where therefore they eat, you go call that your brother made difference. Say brother, for now to 10 years, not send me money again. God, those of now we never see the video. They talk with French. Those of now they hear after they talk about this something given. Those of now never see the video. Oh yeah, see something. Bonjour à toutes et tous, nous sommes en direct sur Brut à proximité de Paris, à Saint-Denis. C'est donc au nord de Paris, à quelques pas de la capitale, où vous voyez actuellement à l'image quelque chose d'assez impressionnant que je voulais partager avec vous ce matin sur Brut. C'est ce camp de réfugiés, de migrants qui se trouve ici, où depuis plusieurs semaines maintenant, en pleine période de confinement, en pleine période presque hivernale, les températures ce matin tournent aux alentours de 10 degrés, et bien plusieurs milliers de personnes vivent ici. Et ce camp est actuellement en train d'être évacué à l'instant. Progressivement, vous voyez donc l'appui des pompiers, des sapeurs-pompiers de Paris qui interviennent aussi en petite couronne. Et les gendarmes qui procèdent donc à l'évacuation progressive. Il faut savoir que ce sont près de 3000 personnes qui se trouvent ici ce matin et qui vont être évacuées dans les prochaines minutes. La plupart des personnes ici sont de nationalité afghane. On a aussi des Soudanais, des Érythréens qui vivent ici. Et il y a des dizaines de bus, on ira voir ça dans quelques instants, qui sont en train de procéder à l'évacuation progressive des personnes qui sont ici. En priorité, les familles, parce qu'il y a aussi beaucoup de familles, des femmes avec des très jeunes enfants. Moi, je suis présent depuis hier soir. On vous propose d'ailleurs une story sur Brut Officiel. Vous pouvez revoir quelques images où il y a eu des distributions alimentaires et j'ai pu m'apercevoir ici qu'il y avait, eh bien, de nombreuses familles qui étaient présentes. Alors on est à Saint-Denis ici et vous voyez donc tout le monde est en train de préparer progressivement ses affaires, son sac. Et c'est aussi une réalité qu'on voulait vous partager, une réalité de Paris, de la région parisienne, mais aussi de certains endroits en France où il y a ces camps qui s'installent et où vous avez ces plusieurs milliers de personnes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Des conditions, vous l'avez compris, qui sont presque hivernales depuis plusieurs semaines maintenant. Alors heureusement, il y a un gros travail des associations sur le terrain pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir se vêtir, de pouvoir se nourrir et de se loger dans des conditions de fortune. Vous imaginez bien avec ces tentes qui sont ici, il y a des feux de camp qui sont également allumés ici et là. Vous pouvez voir pour permettre aux personnes de pouvoir se réchauffer. Quand je vous dis qu'il y a un gros dispositif au niveau des forces de l'ordre, ici vous avez donc plusieurs centaines de policiers qui sont mobilisés depuis ce matin. Vous voyez donc là, je crois que ce sont les CRS qui sont juste là, qui sont sur les côtés. Et vous avez toutes ces tentes qui sont là, qui sont positionnées ici même, les personnes qui sont en train progressivement de faire leurs affaires, d'essayer de récupérer quelques affaires pour pouvoir essayer de repartir progressivement.
Repartir progressivement où? C'est la question que vous posez, je le vois dans les commentaires. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs dizaines de cars, je vais vous montrer ça dans quelques instants, qui ont été mises en place pour permettre eh bien, à toutes ces personnes qui sont ici d'être évacuées. Alors dans des solutions extrêmement provisoires, la plupart du temps ce sont dans des gymnases d'Île-de-France. C'est-à-dire qu'il y a des gymnases qui sont réquisitionnés là où normalement vous avez... Vous allez faire votre sport, etc. Bon, en ce moment, c'est fermé. Et du coup, ils sont réquisitionnés pour accueillir plusieurs centaines de personnes. Alors, c'est plusieurs dizaines de centres hein, au total, parce que vous imaginez, 3000 personnes, elles ne sont pas toutes mises au même endroit. Donc là, vous avez également l'aide d'associations qui sont là pour essayer de récupérer des affaires, pour récupérer des tentes également. Vous le voyez juste ici. L'idée, c'est vraiment d'essayer de récupérer le maximum de matériel qui pourrait même par la suite servir à d'autres personnes, parce qu'il faut savoir que ces opérations qui se déroulent ici, elles sont malheureusement extrêmement fréquentes. On est prêt à près de 70 opérations d'évacuation comme celle que je suis en train de couvrir ce matin depuis ces dernières années. Alors le problème de ces camps n'a fait qu'évoluer en termes géographiques, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois maintenant, on avait le préfet de police Didier Lallemand qui avait dit « je ne veux plus de camps sur Paris ou autour de Paris », c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de camps qui se trouvaient au niveau de la Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers, vraiment dans le nord parisien. Tous ces camps-là ont été démantelés ces derniers mois, mais les camps ne sont peut-être plus à Paris, mais ils sont un peu plus haut, c'est-à-dire que la même situation qui était à Paris, elle s'est en fait simplement déplacée. Elle s'est déplacée de quelques kilomètres au nord de Paris, donc aux alentours de Saint-Denis. Je vous disais, le dispositif de police qui est extrêmement conséquent, vous allez le voir à l'image ici, énormément donc de CRS mobilisés. Beaucoup de personnes. Bonjour. Donc là, les associations qui essayent de récupérer un peu de matériel, vous voyez, parce que ces tentes-là, elles peuvent aussi être utilisées dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Parce qu'on connaît malheureusement la répétition de ces situations. Ce camp va être évacué, mais vous avez certaines personnes qui vont revenir parce que les solutions d'hébergement provisoire vont être extrêmement provisoires. Pour d'autres, elles ne sont pas forcément éligibles à pouvoir rester en France. Alors certaines personnes, pas mal de ces personnes peuvent bénéficier du droit d'asile, notamment par rapport aux conditions dans leur pays. On pense notamment à la situation... En Afghanistan, il faut savoir qu'il y a pas mal d'Afghans qui sont présents sur ce camp, dont certains qui ont la possibilité de pouvoir régulariser leur situation. Mais vous avez aussi d'autres nationalités pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué. Alors quand je vous parle de réfugiés, il n'y a pas que des réfugiés. Vous avez aussi, on est en Seine-Saint-Denis, on est malheureusement dans un département où le taux de pauvreté est extrêmement important. Et vous avez aussi pas mal de personnes de toutes nationalités qui sont présentes. Il y a aussi quelques Français qui sont là ici ou dans les alentours. Autour de ce camp de fortune où tout le monde se retrouve ici. Ça a permis aussi, on voit aussi par exemple le soir des familles, des personnes qui ont pour certaines un logement qui vont venir ici pour se nourrir, parce qu'en fait vous avez des distributions alimentaires, vous avez des distributions alimentaires sur place chaque midi, chaque soir, pour permettre aux gens de se nourrir ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces distributions alimentaires, elles ne sont pas effectuées par l'État, ce sont des associations, des collectifs qui sont financés par vos dons finalement et qui vont distribuer des milliers de repas chaque soir. Et il faut savoir que finalement vous n'avez pas que ces réfugiés de ce camp qui viennent aussi. On a aussi des personnes qui vivent à Saint-Denis, qui ont un logement dans des conditions extrêmement précaires, mais qui viennent quand même parce que voilà, il y a les difficultés financières assez importantes et la difficulté de pouvoir se nourrir décemment. Et donc ils bénéficient aussi de ces distributions que vous pouvez voir. J'ai mis l'océan. You don't see where people they sleep for France. You yourself supposed to the image say, ah, this kind of person want to send me money, send money to Nigeria. Tent. So now I will get tent.
They all sleep for ordinary ground. See water, see dirty. Even the dirty when it dead there. It even worse pass no care when it dead Nigeria, when it dead Africa. See dirty. People they sleep there. Police now not want to control because of they know they give social distance. Everybody you're there for another. You see that kind of one. If coronavirus you enter, COVID-19 you enter there, everywhere go your jabba just it. You see risk when black they take just to please people when they Africa. You see risk. And they can never tell you where they sleep for abroad because they see and say if they tell you, you will never believe. If your brother tell you, say, ah, where they sleep in a Tyro though. You went to Africa, you not believe. You say not be that Europe, not be my friend, brother. They, but you not believe. That's why all those people, they don't agree, they talk. Then they die in silence. Oh, God. When I take out, God could do one day. Let's go through to the next news on time.